Il y a en gros quand même deux parties. Donc je vais plutôt résumer la première, si tu veux qu'on en parle, ouais, et après la seconde. Avec plaisir. Parce que la première est très différente finalement de la seconde. Et d'ailleurs, il y a des gens qui me l'ont dit après la lecture. Ils m'ont dit, ben, au début, je riais, ça m'amusait, etc. Puis après, c'est devenu tout à coup assez philosophique. J'ai dit, oui, c'est fait exprès. Les premières pages, c'est pour que tu achètes le livre. Et ensuite, quand tu as le livre, tu es bien obligé de le lire et ça t'oblige à faire de la philosophie. Ce qui était mon projet du départ. C'est le but de la manœuvre. Plus sérieux, mais toujours avec des dialogues assez incroyables, qui emportent le lecteur. Donc même jusqu'à la fin, c'est un livre qu'on lit jusqu'à la fin. On ne saute pas comme ça des passages. Voilà. Ça, pour moi, c'est très très important parce que étant moi-même gros lecteur, comme je pense les gens qui sont là, pour moi, ce qui est très important dans un livre, la première chose dans un livre, c'est le plaisir de lecture. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine de lire s'il n'y a pas d'abord le plaisir de la lecture. Et ensuite, le reste vient. Messages, discussions, philosophie, plantes. Enfin, tout ce qui vient, c'est après. Et c'est pour ça que j'essaie aussi, dans la mesure de mes moyens, de faire un livre où je suppose qu'il y a, où j'ai envie qu'il y ait un plaisir de lecture. C'est pour ça, même quand ça devient très sérieux, à la fin, que ça devient carrément un débat entre El Ghazali et Ibn Rushd, j'essaie quand même de garder cet aspect de plaisir de la lecture. Merci à toi. Merci à toi.